Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche et aujourd'hui on va manger du gâteau. Oui. Et on va faire aussi d'autres petites choses. You certainly need a lot of paraphernalia in your trade. Yeah, cymbals, timp, bongo, tambourine. Plus 1. 34 ans, là. Hein. Tu vois? Hein? Tu t'en fiches, hein? Tu t'en fiches. C'est pour moi? Mais tu peux lui dire joyeux anniversaire en même temps. Wow. Ça, c'est papa et ça, c'est Noémie. Ça, c'est le gâteau. Merci, Léna. C'est dire joyeux super beau. Merci. Joyeux anniversaire, Noémie. Joyeux anniversaire, Noémie. Noémie, elle ne peut pas dire merci parce qu'elle est bébé. 30, 1, 2, 3, 31, 32, 33. 33. Noémie, a que une. Oui, elle a une bougie, Noémie. Et là, c'est pour qui celui-là? Papa. 33. Olivia, elle a quel âge? Elle a quel âge, Noémie? Oh non. Et papa, il a quel âge? 32 ans. Combien? 3 ans. 33, oui. Papa, mon grand gâteau. C'est ça. Papa a trois bougies. Mamie, elle a une bougie. Et attention. Ça, c'est le gâteau de Noémie. Alors, attention. J'y vais. Attention, hein, Bibou. Dans Koh-Lanta, ils n'ont que deux allumettes. Hein. Ouais, moi, j'en ai 150. T'en as 150, ouais, mais imagine si t'en avais que deux. Imagine que. Joyeux anniversaire. Aidez-moi, j'ai pas de voix. Joyeux anniversaire, Noémie et papa. Joyeux anniversaire. Bravo. Est-ce que cette tarte n'a pas l'air succulente? Mon petit cadeau d'anniversaire se trouve dans ce petit sac. D'ailleurs, je sais même pas d'où il sort ce sac. Mon papa. Ah ouais, c'est vrai, c'est mon papa qui nous a offert ce sac. C'était un... Hop, on va l'ouvrir. Attention. 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 Qu'est-ce que c'est? Kutz. Oula. Funke. Ah oui. C'est une coque de téléphone. Ah, t'as déjà mis mon téléphone dedans? Ah ouais. Voilà, petite histoire, c'est que moi j'ai une coque de téléphone noire et à chaque fois je recoupe pas mon téléphone. Ah, du coup, tu m'as acheté une coque. Très voyante. Une coque jeune. Ah, mais c'est bien, moi je pourrais pas le perdre. Mais du coup, j'ai plus le flip-flap pour protéger l'écran. Non, mais c'est pas grave. Moi j'en ai pas. Hein. Mais c'est pas grave. Mais ça... Mon petit cadeau d'anniversaire. T'as même une protection là, en verre pour ton. Oh, c'est gentil. J'adore. Et t'as même un socle pour c'est ton un téléphone. Un très beau cadeau. J'adore. Quand tu joues à. Ah, j'ai un socle. C'est quoi ça? Je sais pas. Ok. Phone holder. Je sais pas ce que c'est ce truc. Phone holder. Je sais pas, c'est un truc. C'est pour le holder. C'est un truc d'influenceur, ça sûrement. Ah ouais, d'accord. C'est que genre. Ah, regarde, genre tu mets ton téléphone comme ça, regarde. Oh, voilà. Que tu regardes des vidéos, tu postes là et t'as ton téléphone comme ça. En tout cas, la coque jaune, c'est une super idée. Des bisous. De loin. Je suis malade. Bisous de loin parce que tout le monde est malade. Oui. Les quatre filles sont malades et l'homme est conquérant. Il ouais. résiste à l'envahisseur. Voilà, espérons qu'une fois qu'on sera guéri, ce sera pas sans dessous. On garde nos distances. Depuis deux jours, pas de bisous, pas de câlins. Et j'y crois, je vais réussir. Putain, j'ai un épi là. Je me suis pas fait beau. Les filles sont toujours en pyjama. Elles sont restées en pyjama toute la journée. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Tiens, papy, ton petit gâteau d'anniversaire. Quelle finale, Julien la Philippe sur ouais, encore ouais. Oh. Ouais, deux. Oh, qu'est-ce que c'est que cette sombre affaire. Ok, il fait tout noir, magnifique. Ok les amis, c'est lundi.
Je ne sais même pas ce qu'on vous a filmé, ce qu'on vous a pas filmé hier. Hier, je n'étais plus tout à fait moi-même. Ça va mieux aujourd'hui. Hier, j'étais très mal. J'étais vraiment très très mal et ça tombait pas bien parce que c'était l'anniversaire de Noémie et de Babou. Voilà, donc j'étais un peu dégoûtée pour cette journée-là d'être totalement... totalement pas là, hein. J'étais là sans être là en fait. Toujours gros rhume, le nez pris, là d'ailleurs j'ai le nez qui n'en ressemble plus à rien, mes lèvres sont sèches, bref. Et en plus hier j'avais de la fièvre, pour couronner le tout. Hein. Ça vous fait penser à quelque chose? Bon, nous on n'est pas du genre à psychoter, mais dès qu'on a ce genre de choses, par contre on reste cloisonné à la maison. Encore plus que d'habitude. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ce week-end c'était samedi, je devais voir mes parents. Et en fait je leur ai dit que j'étais pas bien, que les filles ont pu étaient pas bien. On a préféré donc annuler et on ne s'est pas vu samedi. Babou est parti avec Olivia en vadrouille. Ils sont allés faire de petites courses ensemble tous les deux. Noémie sort de sa sieste de l'après-midi. Il est 15h, elle a dormi qu'une heure cet après-midi, tout va bien. Mais bon, elle a dormi une heure voire une heure et demie ce matin. Et moi je fais un petit peu d'école à la maison avec Elena. Voilà, on est en train de travailler dans son cahier d'école. Enfin son cahier d'école. C'est un cahier que Babou avait acheté à la rentrée. Voilà, c'est tout le programme de moyenne section. Et franchement, j'adore. J'adore et puis j'adore travailler avec Elena. Elle adore quand je travaille avec elle. Donc voilà, on passe des bons moments et donc je retourne à cette belle activité. Ok, alors là c'est un peu des maths. Il va falloir continuer les frises. Tu vois, il y a un rond avec un trait vertical. Là, il y a un rond avec un trait horizontal. Là, il y a un rond avec un trait vertical. Et après, il y aura un trait horizontal. C'est un peu compliqué quand même, hein? Moi, je vais les réussir. Tu vas les réussir? Ok. Prends ton crayon. Prends le crayon là. Comme ça, si on n'arrive pas, on gomme et on recommence. D'ailleurs, comme on a fêté l'anniversaire, le premier anniversaire de Noémie hier, il faudra qu'on revienne avec Babou tout à l'heure pour faire un petit point sur ses cadeaux. Voilà, sur les petits cadeaux bien chouettes qu'elle a reçus. Voilà, je pense que ça vous intéressera pour ceux qui ont un bébé qui va fêter un an ou bien un bébé dans l'entourage qui va fêter un an. Les amis, il est 17h et je me rends compte qu'il y a quelque chose. Quoi, je t'ai fait peur? Ouais. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Un énorme événement qui est arrivé hier, qu'on ne vous a pas raconté. C'est que hier, dimanche 27 septembre 2020, nous avons allumé le chauffage. Oui! On a fêté nos 34 ans. 33. 33 plus 1. 34. Plus le chauffage. Voilà. On voulait tenir jusqu'en octobre. On voulait, mais c'était difficile. Impossible. Donc on a allumé le chauffage. Voilà. Alors il fait 25 là dans la maison. Alors que aujourd'hui les températures et demain les températures remontent. Non, ça remonte pas vraiment. Il fait 20. Oui, mais non, le ressenti sera pas le même. Et la nuit, ça descend très bas. Ça descend, mais je veux dire, là, la semaine dernière, il faisait pas 20, tu vois, la journée. Il faisait froid. Non. C'est vrai. Il y a même eu de la neige et tout dans plein d'endroits de France. Et là, bim, ça remonte. Ouais. Et autre chose de très bizarre, c'est que mon truc à l'œil de l'autre jour, je sais pas si vous vous souvenez, moi, mon œil s'en rappelle bien. Et c'est venu d'un coup, je ne sais pas compris pourquoi, c'est parti, je ne sais pas pourquoi. Et depuis plus rien. Et là, tout à l'heure, d'un coup, j'ai commencé à avoir mal au même œil. Même sensation d'avoir un cil coincé dans l'œil. Ça a recommencé. Donc là, j'ai remal et il n'y a rien dans mon œil. J'adore. Un autre événement très important qui s'est passé dans notre vie les derniers jours là, au cours des derniers jours, dont on vous a absolument pas parlé. On vous l'a dit sur Twitch, en exclusivité, donc ceux qui nous suivent sur Twitch le savent depuis une semaine, oui, voire même un petit peu plus. Et là on vous le dit à tout le monde, 10 000 personnes qui vont nous regarder là. Nous avons trouvé notre maison, nous avons signé le compromis. Exactement, donc ouais. Là... cette maison-là, on la quitte dans quelques mois. C'est ça. Pour prendre possession de notre résidence principale. Oui, de notre maison familiale. On est très contents. Qui va voir nos enfants grandir et quitter le foyer. Et voilà. C'est une maison qu'on va acheter
Enfin, qu'on a acheté, enfin pas encore, on a signé le compromis. Non, mais bon, on est confiant. On n'a pas encore payé, mais qui sera à nous et qu'on n'a pas prévu de vendre. Non. Ah, c'est vraiment notre résidence pour de longues années. Ça ne remet pas en question le fait que peut-être qu'on bougera de temps en temps, enfin, des voyages, des choses comme ça, tu vois. Mais en tout cas, on aura une résidence principale. Ce sera notre maison. Il sera là. Ce sera le pied à terre et on n'y bougera plus du tout. Ce sera fini, les déménagements. La tire à l'arigot. Voilà, on s'installe. On est content d'avoir trouvé, on a trouvé très vite. Oui, et c'est un bijou, cette maison. Vous allez voir ça dans quelques mois. Ouais. Patience. Patience. Les amis, on avait oublié de vous filmer les cadeaux de Noémie le jour de son anniversaire. Donc c'est parti, tout de suite, cadeau. Le premier, un classique, hein. Vous connaissez, tout le monde connaît ça, en bois. Avec un espèce de petit socle qui bouge en mode toupie comme ça. Ça, c'est toujours marrant. Voilà, pour l'instant, toutes les pièces sont là. Le deuxième, ça, c'est une super idée, je trouve. Donc là, vous avez des carottes. On en a déjà perdu une, hein, vous voyez. Vous avez des carottes de tailles différentes que tu dois positionner dans le bon trou. Hop, tu vois, là, ça rentre pas. Ben oui, ça rentre pas. Ben voilà, t'as compris le délire. La petite rentre dans le gros trou, mais la grosse rentre pas dans le petit trou. Ok. Bon, c'est tout âge, hein. Les sœurs, les grandes le font aussi, évidemment. Et comme Noémie, elle est toute petite, ce que je fais, c'est que je lui donne que la toute petite carotte, parce qu'évidemment, la petite rentre dans tous les trous. D'accord. Ça, c'est une boîte d'œufs, de 6 œufs. Mais alors, attention, il n'y en a qu'un. Oui, il n'y en a qu'un, parce que Elena et Olivia jouent avec, et je ne sais pas ce qu'elles ont fait des autres. Donc, ce sont des œufs comme ça. Il y a plusieurs couleurs avec plusieurs expressions, sourire, triste, etc. En dessous, il y a des formes. Vous voyez, ça, c'est l'étoile. Donc, ça va dans l'étoile. Et le couvercle bleu pour l'œuf bleu. Voilà. Et en plus, ils font piou-piou. Trop génial. Donc, j'ai retrouvé les autres. Voilà. Toutes les coquilles sont ici. Par contre, les œufs, aucune idée. Je ne sais pas où est l'œuf. On a également un jeu de construction comme ça de Lego, voilà, pour faire des trucs plus ou moins complexes. Donc ça sert un petit peu aux trois enfants en fait. Ça fait de la musique, ils te posent des questions, ils te demandent par exemple de mettre la fleur, donc tu mets la fleur et ils te disent bravo d'avoir mis la fleur. Et puis tu construis tes petits animaux comme ça. Voilà, je trouve ça assez sympa. Et le dernier, c'est un jeu pour les plus grands. Voilà, Noémie est encore un peu petite pour vraiment apprécier ce jeu-là. C'est pour apprendre à compter. Donc on a les chiffres, 1, 2, 3, 4, avec les formes, les couleurs. Donc là, on travaille beaucoup de choses en même temps, les formes, les couleurs, du plus grand au plus petit. On peut faire du tri avec tous les carrés, tous les rectangles, les ronds, les triangles. On peut faire du tri avec tous les rouges, on peut faire du tri avec tous les petits, tous les moyens, tous les grands, etc. Donc je trouve que c'est un jeu qui est vraiment multifonction et qui dure très longtemps. Et en barre d'infos évidemment, tous les liens de tous ces jouets les amis, juste en dessous.